अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता है। चुटकी भर बरसात ना, dans l'épisode précédent. C'est une facture de 25 000 roupies. Je dois payer pour son traitement. Et si tu es son fils, paie la facture. Alors tu pourras la voir. Allons-y. Attendez une seconde. Oui, Kinjal, dis-moi. Et maintenant, bon, infirmière, écoutez-moi, je ne fais pas du tout confiance à cette femme médecin. Depuis qu'elle soigne ma femme, son état de santé ne cesse de se dégrader de jour en jour. Il faut rapidement que vous appelez un médecin en chef. Monsieur, veuillez vous calmer. Le médecin fait de son mieux de son côté. Ne rendez pas les choses difficiles. Ce médecin est très qualifié. Ichou, quoi que tu puisses dire, Rupendra s'est battu jusqu'à la fin. Tu sais, ma fille, à bien y réfléchir. C'est lui qui mérite ce prix. Ichou, est-ce que tu as remercié Rupendra ou pas? Eh bien oui et non. Explique. Il faut savoir qu'en trois occasions, je suis partie le remercier. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Il était grossier. Et même quand je suis partie vers lui pour l'aider, il s'est montré hautain. Vous pensez tous qu'il est gentil et bon. Qu'il est une personne vraie, n'est-ce pas? Mais c'est le contraire. Et laissez-moi vous dire encore une chose. Sa mère se fait soigner à l'hôpital. Et hier, il errait à l'extérieur du temple. Et aujourd'hui, il est venu jouer à ce jeu. Ichou, ma fille. Il est possible qu'il soit venu hier au temple pour faire une prière. Et aujourd'hui, s'il est venu au Dayandi, c'est considéré comme une prière. Tu sais, ma fille, peut-être qu'il fait tout ceci pour sa maman. Quant à toi, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Et toi, tu lui portes un jugement, c'est pas bien. Ichou, je pense que ton père a absolument raison. Je vous ai dit, répétez à maintes reprises, d'appeler le médecin chef ici. Cette femme médecin n'arrive pas à gérer. Est-ce qu'il n'y a pas un autre médecin ici? Écoutez, s'il arrive quoi que ce soit à ma femme, sachez que je ne vous épargnerai pas. Rupendra. Tiens, prends ça.
Maman. Son état de santé s'était détérioré. À présent, son cœur bat normalement. Je dois vous dire que c'est un miracle. Maman était entre la vie et la mort dès que Roop est venu ici. Sa respiration a repris. Mon fils. Bon, surtout ne parlez pas. Reposez-vous, madame. À présent, votre fils est là, donc tout va bien maintenant. Arrêtez de vous inquiéter, d'accord? Comment vais-je savoir si tu as à emprunter cet argent de quelqu'un ou si tu l'as eu grâce à un travail acharné? Papa, j'ai obtenu cette... Mon cher oncle, il a eu l'argent grâce à un prix. Et voilà la preuve. Mon oncle, c'est en mettant sa vie en péril qu'il a pu avoir cet argent. Vous devez donc... le laisser voir sa mère. Roop a gagné grâce à la chance. Mais ce n'est pas grave. Il n'y aura pas de Day and Day tous les jours. Tu ne peux pas gagner à chaque fois. Oh, Candy! Oui, j'arrive! Tu sais, tout ce plat est vraiment très bon. C'est très savoureux. Oui, c'est vraiment très bon. Ça se voit que tu l'as ramené d'une boutique qui vend du farsan. Cher beau-père, eh bien, je n'arrive pas à comprendre une chose. Pourquoi nous faisons tous ces efforts alors que c'est la famille du marié qui vient pour Ishika? Écoute-moi, Romila. Tu le sais qu'elle est un membre de notre famille. Par ailleurs, ce serait mieux pour nous si Ishika quitte cette maison le plus vite possible. Maman, j'ai vraiment l'impression que je ne suis qu'un pantin. Mon oncle, ma tante et mes cousins m'ont demandé de vite me préparer. De plus, je les écoute aveuglément. Ne dis pas des choses comme ça, ma fille. Et pour quelle raison, maman? C'est vrai que j'ai accepté de rencontrer cet homme. Mais tout ceci n'est pas facile pour moi, tu sais. Tu sais, maman, s'il veut vraiment me comprendre et apprendre à me connaître... il devrait me voir telle que je suis, et non de cette façon dont je suis habillée. Bon, tu feras comme ton oncle te le demande, car après tout... tu es une fille de la famille Patel, pas vrai? Donc tu dois être bien habillée. Tiens, porte mon collier. Si ta future belle-famille te voit comme tu es, sache que tu nous feras honte. Oh, waouh! Ce collier est si joli! Quand notre fille Ishu le portera, elle sera encore plus magnifique.
Sa tension artérielle est maintenant stable. Madame Kamla, vous êtes enfin sortie d'affaire. Demain, vous pourrez la ramener à la maison. Merci, mon Dieu. Mais il faut que vous fassiez attention à une chose. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète, c'est compris? Car sa santé est toujours très fragile. Pas d'inquiétude. Maintenant, je suis là. Donc, elle n'aura plus de stress. Allez chercher ses médicaments. C'est bon, je vais le faire. Prenez du thé, ma chère sœur. Venez, prenez du gâteau. Et je m'affiche, sache que personne ne peut te forcer. Si jamais tu n'aimes pas ce garçon, tu peux refuser. Oui, je le sais très bien, papa. Tu sais, j'ai dit oui à tout ceci pour que pendant quelques jours, ils gardent leur bouche fermée et me laissent tranquille. Ishika, viens, ma fille. Viens, viens. Bon, voilà, c'est notre fille, Ishika. Bonjour. Jayambe. Si vous le voulez, posez-lui des questions. Oui. Non, nous ne voulons rien demander. Eh bien, moi, j'ai une question. Je voudrais savoir si votre fils sait cuisiner. Elle, c'est drôle. Elle vous fait simplement une plaisanterie. Eh bien, mon fils, si tu veux lui poser une question, c'est le bon moment pour le faire. Non, je n'ai rien à demander. Ishika me plaît tout simplement. C'est bien, c'est excellent. Oh, waouh! Ça veut dire que cette relation est fixée. Une minute, belle-sœur Omila. Juste une minute. J'ai une condition. Je voudrais lui parler seule. Si aucun d'entre vous n'a aucune objection, alors nous pouvons aller dîner ensemble demain. Oui, il n'y a pas de souci. Écoutez, je peux très bien... Ma chère Ishika, mange cette friandise. Mangeons toutes ces friandises pour cette heureuse occasion. Et demain, lors du dîner, ils apprendront à se connaître. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que t'es triste? Toutes les formalités sont terminées et maman va bientôt sortir de cet hôpital. Écoute-moi, elle ira mieux dès qu'elle sera à la maison. Comment est-ce que ça ira bien, Roop? Le docteur nous a donné la permission pour qu'elle rentre à la maison, mais elle a dit que maman ne devrait pas commencer à penser sur des choses qui pourraient la stresser. Demain, quand on ira à la maison, je sais qu'elle se fera du souci pour toi, Roop. Et tu ne seras pas là. Donc, comment ça irait bien, Roop? Je viendrai à la maison. Oui, je te fais la promesse. Il n'y a rien de plus précieux dans ce monde que ma maman, donc je reviendrai. Allons-y. Tout est déjà prêt. Est-ce que les invités ont été bien accueillis? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Une minute, Ishika. Je te préviens, si jamais tu oses mal te comporter avec ce garçon et que cela porte préjudice à la famille Patel, sache que je vais finir très en colère. Cher oncle Rupesh, vous devriez faire comprendre à votre fille qu'elle devra bien se comporter demain. Sinon, je promets d'appliquer de force le vermillon de sa main sur le front d'Ishika.
Écoutez-moi attentivement. Moi et mes parents décideront ensemble de mon futur. Ce n'est pas parce qu'on a choisi un époux pour vie que vous pouvez faire la même chose avec moi. Rupesh, même si ta fille est têtue, sache que je suis beaucoup plus têtue qu'elle. Le mariage d'Ishika sera fait qu'avec ce garçon. C'est ma décision. Compris ? Mon cher fils Hitesh est un homme simple. Écoute, Ishika, être inspecteur est aussi faire du social. Implique de faire beaucoup de choses. Ce garçon est doux comme un agneau. Qui ne demande rien et incline la tête que pour dire bonjour. Tandis que l'autre, l'inspecteur, aide toujours tout le monde, parle gentiment avec les gens. Il aide les plus vulnérables et les vieilles personnes. Il fait aussi des prières. Et il me fait toujours des compliments. Oh ciel, ces choses m'ont fait oublier que la santé de la mère de Rupendra est toujours mauvaise. Allez, mange. Je ne mangerai pas. J'ai le ventre rempli. Le fait de te voir, mon fils. Je vois. Tu ne vas pas m'écouter, maman. As-tu déjà entendu parler du moine Baba Rupendra ? Quoi ? Depuis quand tu es devenu un moine ? Non, je ne suis pas moine. Je vais le devenir. Sache que je le deviendrai de mon propre gré sans manger de nourriture ni boire une seule goutte d'eau, maman. Et tout le monde saura que je suis le moine Baba Rupendra. Ensuite, tu deviendras très célèbre. Parce que le célèbre moine Baba Rupendra t'a fait manger de sa main. Bon, le comédien, je vais manger. Vas-y, maman. Allez, mange. Roup, réponds à cet appel. Je vais lui donner à manger. Allô ? Je ne t'ai pas appelé pour faire la causette. Je t'ai simplement appelé pour connaître l'état de santé de ta mère. À présent, elle va bien. Elle va sortir d'ici demain. C'est bon. Au revoir. S'il te plaît, ne raccroche pas. Tu voulais me dire quelque chose, n'est-ce pas ? Je t'écoute. Je voulais dire quelque chose, mais je ne veux rien dire à présent. J'ai quelque chose à dire. Pardon. Et merci. Merci d'avoir voulu nouer un foulard sur ma blessure, mais je devais vite m'en aller, donc pardon. Tu es un énorme casse-tête pour moi, tu sais. Car par moments, tu t'excuses très gentiment. Et d'autres fois, tu me grondes avec colère. Et personne ne sait vraiment comment t'adresser la parole. Personne n'arrive à le comprendre ou c'est juste toi ? Hé, monsieur, inutile de savoir comment m'y prendre avec toi. Tu as appelé pour demander des nouvelles de ma mère. De plus, t'as déchiré ton foulard pour que tu l'attaches à ma blessure. Eh bien, quoi qu'il en soit, chère Miss Enragée, tu as bon cœur. En gros, t'es gentille. Il parle comme si se montrer gentil n'a aucune valeur. Personne ne me comprend ou c'est toi qui ne me comprends pas. Espèce d'idiot. Oh, je ne suis pas venu te voir à l'hôpital car je ne jouissais pas d'une bonne santé. Mais c'est bien que les docteurs t'ont permis de retourner à la maison. Maintenant, prends soin de ta santé. À présent, vous pouvez entrer. Et faites-la entrer aussi. Entrons.
Attendez! Tu peux seulement te mettre devant la porte, mais pas y entrer.